Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va réaliser un pont. Ouais, un simple pont. Alors les amis, place à l'intro. Alors oui les amis, aujourd'hui on va réaliser un pont. Alors excusez-moi pour ma voix, j'ai la voix complètement rouée. Mais du coup aujourd'hui on va essayer de... Enfin je vais essayer de faire de mon mieux. La porte elle a eu le temps de se refermer. Ah, la magie du montage, j'ai fait de coupure. Mais du coup ouais, aujourd'hui donc du coup j'ai réalisé une autre map hein, que vous avez pas vu, que d'ailleurs n'est pas disponible en timelapse, mais ceci va changer dans quelques temps. Mais du coup voilà, voici du coup la map qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc c'est une rivière, voilà, basique, inspirée sur le thème du Mesa, voilà. Donc c'est exactement le même, j'ai juste fait des petites avancées là, j'ai mis de la flotte. Voilà, donc des blocs barrières transparents pour pas voir ce qui retient l'eau. Et puis voilà, c'est assez basique. Je tiens à vous informer, aujourd'hui, vous n'aurez pas de timelapse. Je suis vraiment désolé, c'est juste que faut que je tourne plein de vidéos avant mon stage, parce que pendant mon stage, j'aurai sûrement pas le temps de faire des vidéos. Donc du coup, bah, pas de timelapse, parce que ça me prend une journée entière, sinon, pour faire une seule vidéo. Donc, du coup, voilà. Voilà mon choix. Alors, aujourd'hui, on va commencer par déjà mettre notre tracé. On va prendre un bloc orange. Et on va faire déjà le tracé de notre pont. Qui est bien évidemment sur le thème médiéval. Hein, comme vous avez pu le voir dans la vignette. C'est vraiment thème médiéval. Alors, nous, on va essayer de partir sur ce bloc-là. Voilà. Donc on va essayer de le monter. Au moins un escalier comme ça pour les trois premiers blocs. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et ici, on va essayer de faire ça. Tac. Donc voilà comment on va... Voilà comment on va réaliser du coup notre pont. Assez basique. Et après, on va rajouter du coup une couche supplémentaire de blocs. Pardon. On va rajouter une couche supplémentaire de blocs pour le chemin. Pour que, en gros, quand on est en dessous, on ne voit pas le chemin. Et quand on est au-dessus, on puisse poser n'importe quel bloc. Comme du gravier, par exemple, qui lui est soumis à la gravité, comme vous le savez. Hein, voilà. Voilà la petite astuce. Donc, on va commencer tout de suite. On va prendre déjà nos blocs basiques de construction. Je vais tracer l'arc nécessaire pour le pont en, comment s'appelle, en coupure, voilà. Et puis on se retrouve tout de suite les amis, donc à toutes. Donc voilà les amis, voici le pont. Alors effectivement ça fait mastoc, mais autant médiévaux, je peux vous montrer n'importe quel pont, vous allez voir que c'est assez mastoc quand même hein. Voici une image, on n'a pas trop le choix de quoi faire un pont mastoc en réalité hein. Donc du coup ouais voilà, on a réalisé, du coup j'ai réalisé les deux arches principales du pont. Alors sachez que si le pont redescend, n'hésitez pas à le faire descendre un peu plus hein. Si l'arc, enfin si la distance entre les deux est plus petite, là moi par exemple j'ai 9 blocs, vous allez peut-être avoir un peu moins, sûrement même pour une petite rivière. Donc n'hésitez pas hein, faites une montée beaucoup moins haute et puis ça ira très très bien. Voilà. Nous allons du coup continuer. Je viens de remarquer que j'avais pas mis de dalles, de blocs. Bon, ça va être un peu compliqué, mais on va s'en sortir. Du coup, voilà. Donc là, on va réaliser tout de suite le bas du pont. Alors, hop là, voilà. Et en fait, ce qu'on va faire, ouais, c'est juste, on va suivre les blocs qui sont là. Et quand on va avoir un truc comme ça, je pense qu'on va peut-être rajouter un bloc comme ça. Oui, voilà, je pense que ça ira très bien. Donc du coup, on va je vais faire ça moi de mon côté et on se retrouve tout de suite après les amis. Et voilà, alors du coup, j'ai refermé du coup ouais, le pont. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste réalisé cet arc là, donc la deuxième. Je l'ai stacké en deux et après j'ai juste rajouté un peu plus de volume sur celle du bas là pour donner un semblant de d'arrondi sur les côtés là. Et puis ça marche très très bien. Voilà. Comme je l'avais déjà fait là, pour essayer de rattraper le chemin.
Bah, du coup, ça marche très bien. Voilà. Donc, nous, on va continuer. Et là, ça va être l'étape un peu plus simple, je pense. Il va juste me falloir des slabs. Donc, des slabs. On va prendre de là comme ça, je pense. Voilà. Et... Ouais, allez, de la stone, parce qu'on n'a pas trop le choix. Ouais, allez. Carrément de l'andésite. Je pense que ça ira un peu mieux. C'est vrai qu'on n'a pas trop d'andésite, mais... Ouais, ça se rapproche assez bien. Voilà. Voilà. Donc, du coup, nous, on va faire ça. Tac. 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 Et on va déjà faire notre... comment ça s'appelle? Notre chemin. Voilà. Ça marchera très bien. Et du coup, nous, on va rajouter du coup nos blocs. Voilà, on va rajouter quelques blocs, hein, on va pas se faire chier. Vous mettez des blocs un peu partout. Voilà. Vous faites n'importe quoi avec vos blocs. Et puis voilà, vous allez monter progressivement comme ça. En fait, comme si vous faisiez un chemin classique, hein. Et non, nous on va jouer un peu plus, ouais, avec ces blocs-là. Et du coup, ensuite, nous allons rajouter du coup nos slabs. Le truc, c'est que, ouais, nos slabs, ça va être un peu compliqué à certains endroits. Donc déjà, on va faire ça. Voilà. Là, on va faire ça. Ta, ta, ta. Et voilà. Et là, nous rencontrons un problème. Alors, ce problème-là, hein, très clairement, je crois que je pense que je l'ai fait exprès. Il est lié tout bêtement au fait que notre pont il est arrondi comme ça. Sauf que au temps médiévaux, monter comme ça à 45, c'est un peu compliqué. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des slabs et on va poser comme ça. Voilà. Du coup, nous on va faire une pente douce. Voilà. À peu près, je vous mets l'angle, mais je crois que c'est 30% à peu près. Voilà. Donc, s'il sera un peu plus négociable pour les charrues, oui. Pour les charrettes. Je sais plus. Bref. Et voilà. Et du coup, nous vous refaites la même étape, hein. Voilà, vous mettez des blocs. Et voilà. Alors, bon, c'est vrai qu'on a une petite symétrie. Donc, nous, on va faire juste ça pour casser toute la symétrie non volontaire. Voilà. Et voilà. Donc là, nous avons notre chemin. Moi, je vais retirer ça pour le moment. Voilà. Étant donné que j'ai déjà tous mes blocs. Et du coup, on va réaliser le chemin ici aussi. Et voilà. Un bon petit chemin. Et bien évidemment, les amis, hein, on l'a pas fini, hein, parce que qui dit chemin dit barrière aussi par rapport à un pont. Donc voilà, nous on va faire ça comme ça. Puis voilà, vous avez vu, au final, c'est très très simple de réaliser un pont. Et puis voilà. Et bien évidemment, on va rajouter un peu de lumière, hein, parce que on essaie quand même que nos constructions soient réalisables en survie et pas trop dérangeantes au niveau des mobs. Même si, si vous faites vraiment des constructions dans Minecraft, ne vous embêtez pas trop quand même avec les mobs. Ça gâche pas mal de constructions dans la réalité. Même si vous pouvez essayer de vous en sortir. Et voilà. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des lanternes. Nous on va en rajouter une là, une là, et voilà, en quinconce. Et voilà ce que ça donne. Bon, effectivement, ça rend pas très bien. Alors on va peut-être rajouter des escaliers à la place à ce niveau-là.
Voilà. Alors du coup, voilà, j'ai rajouté des petits escaliers et là on voit déjà un peu moins. On voit juste un petit trou sur les côtés, mais je peux pas faire autrement. Donc voilà. Ça marche très bien. Voilà un petit pont basique. Et alors comme vous savez, hein, les amis, il manque juste quelques détails. Alors les amis, je vais vous faire une petite transition. Et vous allez voir que en cassant 2-3 blocs, ça rend peut-être un peu mieux. Alors les amis, à tout de suite. Alors les amis, voici le résultat. Il nous manque juste à remettre les blocs de gravier sur le chemin parce que quand vous réalisez cette astuce-là, peut-être qu'il faudra peut-être mettre le gravier après en cas de chute du gravier non prévu. Voilà, bon, j'avais qu'un seul bloc à remettre. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux les amis. Donc du coup, il y a quelques trous dedans, je pense, mais bon. Bref, on va regarder vite. Regardez. Alors je suis sûr qu'il y a des trous. Non, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de petit trou? Non, si. Si, si, si. Regardez, là, il y en a un. Il y a un trou là. Voilà. Mais oui, non. Très clairement, ouais, j'ai réussi à m'en sortir pas mal. Normalement, j'ai remis les blocs. Enfin, j'ai remis des blocs là où il y avait du gravier qui était tombé, mais. Ce que je dis, gravier, c'est que quand vous faites ça, par exemple. Alors, j'ai le bloc là. Voilà, quand vous faites ça, des fois, vous avez le gravier du chemin qui tombe à ce niveau-là. Quand vous faites l'intérieur. Du coup, voilà. Voilà, les amis, pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre quand même quelques images avec le replay mode, peut-être. On verra bien. Mais du coup, voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner, partager. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Et puis, les amis, si vous voulez voir d'autres vidéos, bah. N'hésitez pas. Et puis les amis, à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde!